Putain, gros. Ah oui, mais faut que j'y arrive au téléphone. Ça m'arrange. Oui. Oui, Loulou, c'est Patricia. Ah bon. Bon, comment ça va? Ça va, il faut que j'y arrive jusqu'au téléphone. Oui, je me doute, oui. J'étais en train de mettre le couvert. Oh, ben, ça fait des distractions. Ah, ça, oui, vous avez des distractions, de l'animation, vous en avez. Oui. Bon, et ça vous fatigue pas trop? Non, je le suis déjà depuis longtemps, alors vous savez, un peu plus, un peu moins, c'est Patricia, quoi, Yvette. Oui, je viens. Bon. Je peux venir? Je peux m'accrocher par là? Une fois de plus, donne-moi la main. Non, t'accroches pas là, non. T'accroches pas là. Tu peux marcher, là? Oui, tu peux. Loulou, c'est à vous. Oui, attendez, non, oui, mais j'attends, il arrive, alors... J'arrive parce que je veux vous dire que votre fils, c'est un artiste et qu'il a beaucoup de courage et beaucoup d'adresse. Oui, c'est un véritable artiste. Oui, mais vous avez des lunettes qui ne sont pas... Non, mais j'ai des lunettes de vrai... J'ai pas besoin de lunettes pour voir. Vous avez des lunettes très particulières avec Quentin. Dis-lui que je le fous qui est en marche. Non, non, mais j'ai le four en marche, moi. Ah bon, vous avez le four en marche. Et c'est moi qui l'éteins. Bon. Parce que les autres ne servent pas à l'éteindre. Tu veux parler à ta maman, Quentin? Loulou, tu peux pas passer par là, je crois. Si, vas-y, je vais t'ouvrir. Oui, mais tu me fais faire le tour. Bah. Ici, c'est un musée. C'est un musée, vous avez le tout partout. Et Quentin, il ne peut pas l'éteindre le four? Quentin, on n'a pas de reproches à lui faire, il fait tout ce qu'il peut. Mais je vous parle, je vous dis pas que vous avez des reproches à lui faire, je dis. Quentin, il ne peut pas éteindre le four. Non, personne n'a le droit de l'éteindre ici, ni moi, ni Loulou, personne. Bon, très bien. Personne. Alors, il est à la maison, on va prendre feu. Alors, il est allé le mettre, parce que moi, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Je ne suis pas capable de tourner un bouton. Vous comprenez, il me faut l'autorisation patronale. Enfin, bon, on rigole. Ça en est où, alors Oh, c'est parfait. L'œuvre est parfaite. Hein. Elle n'est pas tout à fait finie, peut-être, mais c'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'il arriverait à faire ça. C'est vraiment un champion. Hein. Je vous assure. Quand c'est que vous venez, vous? Je vais venir le samedi en fin d'après-midi. Samedi et prochain? Je repartirai le dimanche en début d'après-midi. Mais samedi prochain? Oui. Mais samedi prochain? Ça va, Yvette. Samedi prochain, ça sera ouvert au château? Oui. Et c'est ici qu'elle le verra? Non, non, au château. Au château? Ah bon. Eh bien, vous savez... Votre fils, c'est quelqu'un de champion. Oui, Yvette, ne remettez pas. Non, je ne remets pas, je ne remets pas, je ne remets pas. Vous en remettez beaucoup et non, je vois ce que je vois. Vous avez des lunettes qui sont non, qui sont je vois ce que je vois et je vois ce qui m'étonne. Bon, je vous passe votre fils, arrangez-vous avec lui. D'accord. Merci Yvette pour tous ces compliments. Oh, je t'en prie. Salut maman. En fait, là, c'est... Qu'est-ce que tu veux? Et ça va, comment ça va? Ça va, ben, je suis un peu fatigué, j'ai pas fini donc. Alors, voilà. T'en es où? Ben, j'ai fait 3 côtés plus le plafond. Ouais. Il manque le côté, l'objectif. Et Manou me disait qu'il y avait 20 mètres de tissu que tu n'utilises pas? Non, j'ai tout utilisé. T'as tout utilisé? Ouais. Parce que sinon, elle l'avait en travers, quoi. Ben non, je l'ai doublé et j'ai fait le plafond avec et ça va bien. Et quand vous avez dit que vous viendrez vendredi, c'est vendredi prochain? Non, samedi, Yvette. Mais prochain? Pour samedi prochain? Je vais partir de chez moi en début d'après-midi, mais il faudra que je sois de retour parce que j'ai les chats. Oui, je sais, oui. Mais c'est samedi prochain? Oui, samedi prochain, parce qu'aujourd'hui, on est samedi, Yvette, donc c'est le prochain. Oui, moi, vous savez, je perds un peu la tête. Alors, il faut m'excuser. Allez, on va manger, maman. Bon. Oui, il te reste quoi à faire? Ben, je t'ai dit, le côté avec l'objectif. Le côté avec l'objectif. Voilà. D'accord. Et plein de trucs, quand même. Après, il faut installer le système pour l'écran. Il faut, oui. Comme j'ai remonté en hauteur la tente... Bon, et tu reviens quand, de Paris? Mardi matin. Mardi matin. Ne rate pas le train, hein? Non, mais je pars de Paris à 23h10. Ah,
Et j'arrive le matin, un mardi. D'accord, bon, il t'endort pas, dans le... t'endort pas, mais t'as le réveil. Mais non, 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 non. Voilà, à bientôt. Bon, je t'embrasse. Salut, bisous. Est-ce que je peux marcher là-dessus? Oui, oui, tu peux marcher là-dessus. On va bien manger, non? Tu vas manger, toi? Je vais manger un petit peu, parce qu'il faut que je mange, parce qu'après j'ai mon médicament à prendre, alors je vais manger un petit peu. C'est gentil ce que tu dis de mon travail. Et c'est ce que je pense. D'accord, par-dessus, je c'est cool. Alors tu vois? Oh, merci beaucoup. Alors... C'est le téléphone qui a raccroché. Ça va s'arrêter. Allez, coupez. Aïe!